C'est un moment de convenir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellences, honorable audience, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter ainsi qu'à l'ensemble des participants la bienvenue à la séance inaugurale du Global Green Forum qui est devenu un rendez-vous régulier incontournable pour les professionnels de l'environnement. Je saisis cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements au ministère africain qui ont l'amabilité d'accepter de participer avec nous à ce forum. Mes remerciements vont également aux représentants des organisations des Nations Unies dans la BAD, qui sont des acteurs de développement durable incontournables, surtout en Afrique, qui vont nous aider à éclairer à travers leur exposé par rapport à l'appui offert aux pays du continent pour une relance verte post-Covid. Mesdames et messieurs, cette édition du Forum intervient dans un contexte particulier, marqué par la pandémie et les impacts qu'elle a engendrés sur le plan économique, social et environnemental. Certes, il vient s'ajouter à une situation déjà alarmante en matière de changement climatique, de perte de la biodiversité et de la pollution. Cependant, il constitue une opportunité pour une croissance durable et une économie verte et sobre en carbone. Rien qu'hier, la communauté internationale, lors de la première partie de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement organisée sur le thème de renforcement des actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable, a réitéré son engagement en faveur de l'intégration de la dimension environnementale et développement durable pour bâtir un monde post-pandémique résilient et inclusif et a mis en exergue les axes de coopération éventuels visant à créer une dynamique politique plus forte en vue d'atteindre cet objectif de relance verte. Au niveau régional, la dernière session extraordinaire de la conférence des ministres africains de l'environnement a également mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'action environnementale pour un relèvement efficace après cette pandémie en Afrique et a lancé un nouveau programme régional de relance verte en appelant à une mobilisation de tous les acteurs au niveau national, régional et global pour sa mise en œuvre effective. Comme vous le savez, le Maroc est très engagé en matière d'environnement et de développement durable. Dans ce cadre, 28 plans sectoriels de développement durable et un plan d'exemplarité de l'administration ont été adoptés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement durable et assurer une transition vers une économie verte et inclusive à l'horizon de 2030, conformément aux orientations royales. Sur le plan territorial, des conventions de partenariat ont été signées avec les régions du Royaume dans l'objectif de décliner les orientations stratégiques de la SNDD dans les plans de développement régionaux. Nous avons également lancé l'élaboration de 5 nouveaux programmes environnementaux majeurs à l'horizon de 2030. Ces programmes thématiques ciblés seront déployés sur le terrain en étroite concertation avec les acteurs concernés pour renforcer la convergence et la mise en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale. Il s'agit du programme intégré d'observation, de surveillance et de contrôle, du programme de protection et de valorisation des milieux environnementaux, du programme de prévention et de lutte contre la pollution, notamment industrielle, le programme de surveillance de la qualité de l'air, ainsi que du programme de gestion et de valorisation des déchets ménagers. En matière de changement climatique, le Maroc est considéré parmi les pays les plus dynamiques au niveau régional et mondial. La contribution déterminée au niveau national soumise au titre de l'accord de Paris est considérée comme compatible avec l'objectif mondial. Cette contribution a été tout récemment révisée dans le cadre d'un processus inclusif impliquant tous les acteurs
pour augmenter notre ambition en matière de réduction des émissions à 44% à l'horizon de 2030. Cet objectif sera atteint grâce notamment à une politique énergétique nationale visant le développement des énergies renouvelables, le renforcement de l'efficacité énergétique et l'intégration régionale. Des feuilles de route ont été élaborées pour l'hydrogène, la biomasse, le gaz naturel, celle des énergies marines est en cours de préparation. Nous avons également lancé le processus de préparation de notre stratégie de développement à faible émission de carbone que nous envisageons de présenter lors de la COP26. Mesdames et messieurs, cet événement constitue aussi une occasion pour nous pour échanger, partager et diffuser les récents développements en matière d'approche et de technologie environnementale qui pourraient certainement nous aider pour un recouvrement vert. Outre le programme scientifique du forum, avec la participation de plus de 60 conférenciers pour animer plusieurs conférences couvrant différentes thématiques, la gouvernance du développement durable, la valorisation des déchets, la coopération Sud-Sud et la transition énergétique et l'éco-construction. La coopération Sud-Sud constitue un axe important de la politique étrangère sur les politiques étrangères de notre pays qui s'investit depuis des années et notamment à travers le lancement de plusieurs initiatives telles que l'initiative de l'adaptation de l'agriculture africaine, AAA, l'initiative SSS pour promouvoir la stabilité, la sécurité et la soutenabilité en Afrique, l'initiative de la ceinture bleue pour une économie bleue et durable des océans en Afrique et l'initiative de l'énergie pour tous. Nous œuvrons également avec nos pays frères et amis africains pour l'opérationnalisation des trois commissions climat lancées à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l'occasion de la COP26, en l'occurrence la commission du bassin du Congo, la commission du Sahel et la commission des États insulaires. Et pour terminer, permettez-moi de féliciter les organisateurs de cet important forum qui se sont engagés à organiser cette édition dans ces conditions si particulières que nous vivons. Je souhaite plein succès à ce forum et je vous remercie de votre attention. Merci, Votre Excellence, pour votre égide, l'égide du ministère. Merci de l'implication du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement du Royaume du Maroc. Merci également à nos éminents personnalités présentes, à savoir Son Excellence, Madame Jeanne d'Arc, la ministre de l'Environnement du Rwanda, et Son Excellence, ministre de l'Eau, des Forêts et de l'Environnement de la République du Gabon. Merci à Juliette Biao, la directrice du bureau régional du PNUD, du PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Merci également à M. Edouard Christon, le représentant du bureau du PNUD ici au Maroc. Merci également à Hélène Hozaz-Ferry, qui est la représentante de l'ONUDI ici au Maroc, à Madame Rim Brahar, qui est économiste à l'OCP Policy Center. Merci également à notre modérateur Ayman Chakawi. Je vous souhaite tous une bonne participation et bienvenue à la première séance du Global Green Forum qui a été inauguré par Son Excellence, Monsieur le ministre Aziz Bah, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. Je cède la parole maintenant à Madame Jeanne d'Arc, ministre de l'Environnement de la République du Rwanda. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur Aziz Rabar, le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement du Royaume du Maroc. Excellence, Monsieur Lee White, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement. Madame Juliette Biao, directrice du Bureau Régional Afrique du PNU. Monsieur Baba Dram, le président de la République du Sénégal, distingués panélistes, mesdames et messieurs, distingués participants, bonjour de Kigali.
Je vous adresse des chaleureuses salutations de Kigali. C'est un grand plaisir de participer à cette séance inaugurale de cet important événement qu'est le Global Green Forum. Il est évident que cet événement offre une bonne opportunité pour discuter, partager et mettre en valeur des approches appropriées et de partager les meilleures pratiques entre nos pays respectifs pour une relance durable et résiliente après la pandémie du COVID-19. Le Global Green Forum se tient à un moment opportun, alors que le monde tente toujours de se remettre de nombreux défis sociaux, environnementaux et financiers causés par la pandémie du COVID-19. Alors que les pays du monde entier se concentrent sur la lutte contre les effets immédiats du COVID-19, sur la santé et les retombées économiques causées évidemment par la pandémie, les défis environnementaux et les problèmes liés au changement climatique restent aussi critiques et urgents que jamais. Pendant que la pandémie actuelle retient toute notre attention et nécessite notre action immédiate, les conséquences liées aux problèmes environnementaux et changements climatiques ne devraient pas être laissées de côté. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder l'action climatique et de planifier la récupération réaliste, durable et résiliente après le COVID-19. Ainsi, nous sommes exhortés à tenir au principe de la croissance verte et à utiliser les ressources de manière durable. Éviter surtout la pollution et adopter les technologies vertes pour le développement dans les secteurs de l'énergie, du bâtiment, de l'industrie et de l'agriculture, entre autres. Gardez cela à l'esprit. Notre pays, le Rwanda, a soumis l'année dernière au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique sa mise à jour de la contribution déterminée au niveau national. Par son nouveau plan, le Rwanda a annoncé un ambitieux programme d'action climatique comprenant un objectif de réduction de gaz à effet de serre de 38% par rapport au statu quo jusqu'en 2030. Cela est équivalent à une atténuation estimée de jusqu'à 4,6 millions de tonnes d'équivalent de gaz carbonique. Pour soutenir le pays à être plus résilient aux extrêmes climatiques, des mesures d'adaptation se concentreront sur l'eau, l'agriculture, les terres et foresterie, l'urbanisme, la santé, le transport et les mines. D'autre part, le Rwanda a opté pour une approche de croissance verte pour le développement durable. C'est à cet égard que la stratégie de croissance verte et de résilience climatique adoptée en 2011 Nous avons également parmi nous, bienvenue, Monsieur Davadram, qui est le directeur du département de l'environnement, du ministère de l'environnement de la République du Sénégal. En attendant que Madame la ministre Jeanne d'Arc se reconnecte, je cède la parole à Monsieur Lee White,
ministre de l'Environnement du Votre Excellence, Monsieur Lee White, la parole est à vous. Très bien, merci. Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement du Royaume du Maroc, Madame la ministre de l'Environnement de la République de Rwanda, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à ce forum virtuel, donc à très faible émission de gaz à effet de serre, dédié aux technologies de l'environnement comme solution aux défis internationaux. Au moment où nos pays vivent une seconde vague de la COVID-19, il est important de maintenir notre engagement en faveur de l'environnement. Je voudrais donc féliciter le Royaume du Maroc pour l'organisation de cette première édition du Global Green Forum. Excellence, Mesdames, Messieurs, le monde fait face actuellement à non pas à une crise, mais à trois crises qui doivent définitivement nous conduire à nous réconcilier avec la nature. En effet, la crise sanitaire provoquée par le coronavirus mobilise actuellement toutes nos énergies afin de réorganiser nos sociétés et nos économies. Parallèlement, l'extinction de masse de la biodiversité place la vie terrestre et aquatique dont nous dépendons en danger. Enfin, le défi du monde moderne, depuis les trois dernières décennies, la lutte contre les changements climatiques reste notre challenge absolu. La corrélation entre le changement climatique, la biodiversité et la sécurité et le bien-être humain ne peut plus être ignoré. Mesdames, Messieurs, face à ces défis, la coopération entre nos pays est un outil indispensable, notamment à l'échelle continentale. La relance verte que nous souhaitons passe par le développement et l'appropriation des technologies environnementales au profit de nos populations. C'est tout le sens de l'engagement du président de la République gabonaise, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, en faveur de l'initiative d'adaptation de l'Afrique pour renforcer collectivement la résilience de nos pays. Cette initiative vise le développement d'une agriculture plus durable aux côtés de l'initiative d'adaptation de l'agriculture africaine et la mobilisation des ressources climatiques internationales avec le concours de la Banque africaine de développement et le Global Center for Adaptation, présidé par le secrétaire général Ban Ki-moon. Distingués invités, face à ces importants défis, l'Afrique occupe une position centrale. À titre d'exemple, les 240 millions d'hectares de forêts du bassin de Congo constitue le second massif forestier de la planète et un régulateur climatique d'une grande partie de notre continent. Les pays de cette région, dont le Gabon fait partie, sont pleinement engagés à maintenir leur statut de pays à haute couvert forestier et faible niveau de déforestation au profit de l'humanité. Au niveau national, le Gabon, qui a une longue culture de gestion durable de sa forêt, entend mobiliser toutes les opportunités pour en assurer la pérennité. En effet, notre stratégie nationale s'appuie sur plusieurs instruments. Un cadre légal fort qui sera bientôt renforcé par une loi sur la lutte contre les changements climatiques,
une coopération internationale dynamique. Le Gabon a mobilisé, depuis sa ratification de l'accord de Paris, plus que 180 millions de dollars à travers l'initiative CAFI et le Fonds vert pour le climat. En effet, notre pays a signé un accord de paiement basé sur les résultats avec la Norvège, reconnaissant les efforts de préservation de la forêt et valorisant pour la première fois en Afrique la tonne de carbone forestier à 10 dollars américains. Enfin, l'utilisation des technologies environnementales. Le Gabon s'est doté d'une agence d'observation spatiale qui assure la surveillance forestière et maritime du Gabon, tout en couvrant 23 pays du continent grâce aux images satellitaires à haute résolution. Mesdames, Messieurs, le Gabon, conscient de sa responsabilité à l'échelle globale, publiera dans les prochains mois sa contribution déterminée au niveau national pour réaffirmer son engagement à protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030, à renforcer son statut de pays qui séquestre 3 fois plus de carbone qu'il en émet, et de mobiliser les ressources financières adéquates, notamment à travers un système de transfert de crédit carbone. C'est donc conscient que pour aller loin, il faut aller collectivement, que nous lançons un appel à un renforcement de la coopération et des échanges entre nos pays pour une plus grande efficacité environnementale. Je vous remercie. Merci, Votre Excellence, pour ce mot inaugural. Je cède la parole à Monsieur Dabadram, directeur de l'environnement et des établissements du ministère de l'Environnement du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Son Excellence, Monsieur Aziz Rabah, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement du Maroc. Excellence, Monsieur Lee White, ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement du Gabon. Excellence, Madame Jeanne d'Arc Mujawira, ministre de l'Environnement du Rwanda. Madame Juliette Biawo, directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUE, que nous félicitons au passage pour la parfaite organisation de la dernière réunion de la NUE 5. Monsieur Dorsuma Amdou, directeur représentant de la Banque africaine de développement, Monsieur Edouard Christou, représentant du PNUD au Maroc, Madame Anza Ferry, représentant de l'ONU au Maroc, Madame Rib Bernab, économiste, Center for New South, Monsieur Ayman Chekri, coordonnateur in charge of strategic development, et Monsieur Adil Karim, CEO as Exhibition Global Green Forum. Excellence, Monsieur le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement du Maroc, je voudrais tout d'abord vous transmettre les remerciements de votre collègue et frère, Son Excellence M. Abdoukarim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, qui aurait bien aimé être avec vous ce matin, mais comme vous le savez, aujourd'hui se tient la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres de la République du Sénégal, raison pour laquelle il n'a pas pu prendre part à cette session inaugurale du forum. Il m'a demandé de vous transmettre ses félicitations, mais également ses vœux de succès pour cette présente édition du forum. Et naturellement, reste attentif à toutes les conclusions qui ressortiront de cette rencontre. Mesdames et messieurs, il n'est point besoin de rappeler que la pandémie de la COVID-19 est une catastrophe à tout point de vue. Elle a exacerbé les défis économiques, sociétaux, mais également environnementaux partout à travers le monde, et plus particulièrement en Afrique, qui dépend largement de ses ressources naturelles.
Il semblerait que les répercussions des bouleversements provoqués par cette pandémie se feront ressentir pendant de nombreuses années devant nous. Il est également prévu que la pandémie de la COVID affectera la capacité de l'Afrique à gérer les grands défis environnementaux qui l'assaillent ainsi que ses ressources naturelles. Cette pandémie, mesdames et messieurs, renforcera la pression sur les ressources naturelles à coup sûr, qui sont déjà très fortement exploitées pour prendre en charge les besoins en développement de l'Afrique. Mais nous ne devons pas perdre de vue que notre continent est très largement tributaire de ses ressources et de ce fait, nous devons, dans le cadre des politiques de relance, y veiller pour que ces ressources puissent être utilisées de la manière la plus durable. Est-ce donc devant l'urgence de la prise en charge des difficultés économiques et sociales causées par la pandémie de la COVID, force est de constater que les gouvernements sont en train de réaffecter à d'autres fins des ressources qui étaient initialement consacrées à la protection de l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. Plus grave encore, la pandémie a exacerbé les nombreuses crises auxquelles les pays africains, de façon générale, comme d'autres pays en développement, sont déjà confrontés, augmentant ainsi le niveau d'endettement et les inégalités sociales. Dans ce contexte, les pays africains ne sont pas restés les bras croisés, loin de là. Des initiatives de résilience économique et sociale ont été mises en place. Mieux encore, des efforts conséquents ont été déployés pour le relèvement de nos pays après la pandémie de la COVID. Cette dynamique offre l'occasion de remettre l'économie mondiale sur la voie d'un développement inclusif, plus respectueux de l'environnement, mais également à faible émission de carbone. Parce que, comme l'a rappelé tantôt, Monsieur le ministre, cette crise est venue s'ajouter à d'autres crises qui vont justement rendre notre existence sur Terre beaucoup plus difficile encore. C'est ainsi, il faut le rappeler, que la conférence ministérielle africaine sur l'environnement a adopté lors de sa 8e session extraordinaire tenue en décembre 2020, le programme de relance verte pour l'Afrique. Ce programme, faudrait-il le souligner, jette les bases d'un renforcement des mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique, avec des orientations qui cherchent à promouvoir la réduction et le contrôle des produits chimiques, des déchets par l'économie circulaire, la conservation de la biodiversité pour lutter contre le trafic illicite des espèces sauvages, la revitalisation de l'économie verte, la lutte contre la dégradation des terres, le renforcement de l'action climatique et j'en passe. Ces axes stratégiques qui structurent ce programme de relance verte de l'Afrique s'inscrivent en droite ligne des orientations préconisées au niveau international. En effet, comme l'avait si bien relevé Mme Inger Andersson, directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement, une relance verte est une relance qui s'attaque en même temps aux crises du climat, de la biodiversité et de la pollution. Mesdames et messieurs, il faut noter qu'au Sénégal, après 6 années consécutives de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui est notre référentiel des politiques publiques, qui a permis de maintenir la croissance économique à 6,6%, la COVID est venue créer les conditions d'une contraction de l'économie qui se trouve aujourd'hui à une croissance de moins 0,7%, avec toutes les conséquences sur le processus de développement de notre pays. En réaction à ces situations, il a été mis en place le programme de résilience économique et sociale, le PRES, pour un financement de 100 milliards de francs CFA qui a permis d'assister les ménages, les populations les plus vulnérables face à la COVID, mais également de renforcer notre système sanitaire et d'améliorer l'approvisionnement de notre pays en denrées de première nécessité. Ce travail a permis à notre pays
de résister plus ou moins à la COVID-19. Mais il faut à cela rappeler que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réajusté notre programme de développement économique et social en mettant en place ce qu'on appelle le plan d'action prioritaire 2019-2023 qui vise à promouvoir une économie forte, inclusive et résiliente pour le bien-être des populations, la stabilité du cadre macroéconomique, le développement du secteur privé national, mais également le développement du capital humain et la promotion de l'économie numérique. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de clore mon propos, rappeler que l'analyse de ce programme qui a été mise en place par le chef de l'État, Son Excellence Macky Sall, pour relancer l'économie sénégalaise après la pandémie, peut donner l'impression que les préoccupations environnementales sont reléguées au second niveau. Mais ce n'est point le cas. En fait, il faut reconnaître que ces mesures importantes ont été prises dans le cadre d'un plan Sénégal émergent vert qui vise, entre autres, à promouvoir une économie verte afin de garantir un équilibre entre le développement des activités économiques et la protection de l'environnement, inverser la tendance de dégradation des ressources environnementales et l'appauvrissement de la biodiversité, encourager la valorisation des ressources naturelles et la biodiversité, renforcer les capacités institutionnelles et techniques et améliorer la base de connaissances de l'environnement, mais également capturer les financements verts qui existent au niveau international pour créer des emplois verts. Ce PSE vert complète naturellement le programme de relance de l'économie nationale et a pour ambition de rehausser la mise en œuvre des projets et programmes existants en faveur de l'environnement et du développement durable à travers la mobilisation des ressources, mais également l'appui technique et le renforcement des capacités. Il faut ajouter à cela l'adoption récente et sa transmission au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques de notre CEDEN, notre contribution déterminée au niveau national, qui est notre feuille de route pour permettre à notre pays non seulement de satisfaire ses engagements au niveau international en matière de lutte contre les changements climatiques, mais de mobiliser les ressources qui permettront de financer les secteurs qui sont vulnérables à ce changement climatique. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de clore mon propos, féliciter encore une fois Monsieur le ministre et le Royaume du Maroc pour avoir organisé cette importante rencontre et renouveler la disponibilité du Sénégal à poursuivre sa coopération avec le Maroc pour la promotion du développement durable entre nos deux pays, mais également à l'échelle du continent africain. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président, pour votre intervention. Et je cède la parole à Son Excellence, Madame la ministre du Rwanda, pour terminer son mot d'inauguration. Chers collègues, vous me suivez maintenant? Oui, madame. Excusez-moi, chers collègues, Excellences, Messieurs les ministres, Madame Juliette Biao, Monsieur Babadram, je ne sais pas où est-ce que j'étais perdue. Et vous me permettez alors de recommencer mon allocution, s'il vous plaît. Allez-y, madame, je vous en prie. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, comme j'avais commencé, je vous adresse les chaleureuses salutations de Kigali. C'est un grand plaisir de participer à cette séance inaugurale de cet important événement qui est le Global Green Forum. Il est évident que cet événement offre une bonne opportunité pour discuter, partager et mettre en valeur les approches appropriées et de partager les meilleures pratiques entre nos pays respectifs pour une relance durable et résiliente après la pandémie du COVID-19. Le Global Green Forum se tient à un moment opportun
alors que le monde tente toujours de se remettre de nombreux défis sociaux, environnementaux et financiers causés par la pandémie du COVID-19. Alors que les pays du monde entier se concentrent sur la lutte contre les effets immédiats du COVID-19, sur la santé et les retombées économiques causées par la pandémie, les défis environnementaux et les problèmes liés au changement climatique restent aussi critiques et urgents que jamais. Pendant que la pandémie actuelle retient toute notre attention et nécessite notre action immédiate, les conséquences liées aux problèmes environnementaux et changements climatiques ne devraient pas être laissées de côté. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder l'action climatique et de planifier la récupération réalisée, durable et résiliente après le COVID-19. Ainsi, nous sommes exhortés à tenir au principe de la croissance verte et à utiliser les ressources de manière durable, éviter la pollution et adopter les technologies vertes pour le développement dans les secteurs de l'énergie, du bâtiment, de l'industrie et de l'agriculture, entre autres. Gardant cela à l'esprit, le Rwanda a soumis l'année dernière au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique sa mise à jour de contributions déterminées au niveau national. Par son nouveau plan, le Rwanda a annoncé un ambitieux programme d'action climatique comprenant un objectif de réduction de gaz à effet de serre de 38% par rapport au statu quo jusqu'en 2030, équivalent à une atténuation estimée de jusqu'à 4,6 millions de tonnes d'équivalent de gaz carbonique. Pour soutenir le pays à être plus résilient aux extrêmes climatiques, des mesures d'adaptation se concentrent sur l'eau, l'agriculture, les terres et foresteries, l'urbanisme, la santé, le transport et les mines. D'autre part, Rwanda a opté pour une approche de croissance verte pour le développement durable. C'est à cet égard que la stratégie de croissance verte et de résilience climatique adoptée en 2011 est actuellement en cours de révision pour correspondre aux réalités actuelles et s'harmoniser aux politiques globales de croissance verte et d'autres obligations internationales telles que les objectifs de développement durable. En outre, le Rwanda a collaboré avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et d'autres partenaires pour créer une plateforme continentale pour stimuler la transformation de l'Afrique vers une économie circulaire. L'Alliance africaine pour une économie circulaire dont le Rwanda est le co-président. Il y a deux jours de cela, le Rwanda s'est joint aux autres 10 pays du monde en marche de l'Assemblée générale du Programme des Nations Unies pour l'environnement, afin de lancer officiellement l'Alliance globale pour l'économie circulaire et de l'efficacité des ressources, avec l'appui de l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Sans doute, le changement climatique a déjà un impact sur les pays vulnérables comme le Rwanda, et nous n'avons pas de temps à perdre. Le monde doit travailler ensemble dans le même esprit de coopération et d'urgence comme cela a été le cas dans la lutte contre le COVID-19. Ensemble, nous y arriverons si nous voulons tenir la promesse de l'accord de Paris, de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal et construire un monde durable pour les générations à venir.
Cela ne se produira que si tous les pays se soucient de la protection de l'environnement, réduisent leurs émissions et se soutiennent mutuellement, à la fois technologiquement et financièrement. Bien que les CDN aient été soumises et d'autres stratégies et mécanismes soient en place, le gros reste à faire, comme la mobilisation de fonds et la mise en œuvre rigoureuse des actions convenues pour un meilleur impact. Nous avons intégré l'environnement et le changement climatique dans les lois, stratégies et politiques nationales ainsi que dans le processus de planification. C'est ainsi que le gouvernement a fait passer la loi de l'environnement en 2018 et la politique de l'environnement et changement climatique en 2019, qui offre une orientation stratégique pour la considération de la protection de l'environnement, d'action au changement climatique, ainsi et d'autres techniques innovatrices pour un développement durable et une croissance verte. Le gouvernement intègre également les nouvelles actions et contenus de CDN dans les plans stratégiques sectoriels et les stratégies et plans de développement des districts. Nous travaillons également avec le secteur privé, spécifiquement pour développer des projets bancaires qui leur permettront d'accéder au financement pour relancer l'économie. Nous pensons qu'à l'ombre de la pandémie mondiale du COVID-19, il y a une chance d'apporter des changements réels dans la façon dont nous planifions les stratégies de développement et fixons les échéanciers, la gestion des ressources et la mise en œuvre des projets. Cela nécessite la participation de tous les acteurs à partir des décideurs aux communautés locales pour se lancer dans les sources innovantes de carbonisation et d'économie circulaire afin de mieux reconstruire Build Back Better. Pour conclure, mesdames et messieurs, chers collègues, je tiens à remercier le gouvernement du Royaume du Maroc et le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement pour cette occasion importante créée à travers le Global Green Forum. Je remercie aussi tous les partenaires dans cette organisation, dans son organisation. Je suis convaincue qu'une telle discussion et partage des ressources apprises et de meilleures pratiques qui guideront notre réflexion et éclaireront nos actions vers un chemin de reprise verte, durable et résiliente. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci, Madame la Ministre, pour votre intervention. Merci, vos excellences, Monsieur le Ministre Aziz Attar, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement du Royaume du Maroc. Merci, Madame Jeanne d'Arc Moujawa Maria, ministre de l'Environnement de Rwanda. Merci, Son Excellence, Monsieur Lee White, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement du Gabon. Merci, Monsieur Davadram, directeur de l'Environnement et des Établissements classés de la République du Sénégal, d'avoir inauguré cette première séance du Global Green Forum et cette première édition du Global Green Forum. S'en suivra derrière la table ronde Quelle relance verte pour l'Afrique après la pandémie du Covid-19, auquel participera Juliette Biaou, directrice du Bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, Monsieur Edouard Christon, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD au Maroc, Madame Rim Brahad, économiste de l'OCP Policy Center for the New South. Et cette avance sera animée par M. Ayman Chakawi et M. Benihia, secrétaire général du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, fera part également à cette table ronde. Je vous remercie tous pour cette séance inaugurale.
Et je cède la parole à Monsieur le ministre pour un mot de clôture de cette séance inaugurale. Merci beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions de nos chers ministres et bien sûr du directeur général sénégalais. Disons, il y a une grande convergence entre les différentes politiques à l'échelle internationale, mais plus particulièrement à l'échelle africaine. Et ça confirme que aujourd'hui, la convergence entre parenthèses intra-africain prend du terrain. Aujourd'hui, disons, l'élite africaine, qu'elle soit politique ou économique ou administrative ou même émanant de la société civile, est convaincue aujourd'hui qu'on a besoin d'un modèle adapté au contexte africain. C'est vrai, les technologies existent, il y a des hautes technologies, mais d'autres technologies, mais je crois l'Afrique a besoin des solutions qui doivent être adaptées à son contexte, et plus particulièrement au contexte de développement que connaît aujourd'hui l'Afrique dans les différents secteurs. Et beaucoup plus particulièrement après l'impact de Covid. Je crois que on est dans la même ligne de conduite. Nous avons besoin de nous rencontrer souvent. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut utiliser que le virtuel. Tant mieux, hein. Ça permettra donc de développer dès maintenant une connectivité entre les décideurs africains d'une manière virtuelle en attendant qu'on se voit d'une manière présentielle et d'élaborer, à mon avis, de partager des expériences et de créer des joint ventures. Moi, je crois beaucoup aux joint ventures entre les institutions publiques africaines et bien sûr le privé africain pour qu'on puisse, comme j'ai dit, implémenter dans des meilleures conditions ces différentes politiques qui sont convergentes et de donner des réponses immédiates aux attentes de la population qui est en quête aujourd'hui de solutions, comme j'ai dit, qui répondent à ces attentes. Moi, je crois que on est dans cette ligne. Je vous remercie pour l'organisation de ce Global Green Forum. J'espère que, inchallah, on aura des recommandations des recommandations intéressantes. Et j'espère qu'après ce Global Green Forum, je vous propose dès maintenant qu'on crée un Global Green Network. Network qui permettra, c'est un réseau des décideurs, un réseau des experts, un réseau des entreprises qui travaillent dans le domaine du green d'une manière globale et de le développement durable d'une manière particulière. Et je crois que ce serait un bon cadeau au continent africain qu'on puisse être connectés ensemble, partager les expériences, élaborer des initiatives communes et même attirer beaucoup d'investissements, qu'ils soient africains ou internationaux, dans notre continent. Encore merci pour votre organisation et la participation de nos chers ministres et du directeur général. Et on aura l'occasion de nous rencontrer avec nous. Nous avons beaucoup de travail avec le Sénégal, avec le Rwanda, avec le Gabon. Nous avons beaucoup de travail. Certes, nous avons beaucoup de travail avec les autres pays africains. Beaucoup d'initiatives qui sont lancées par les décideurs, les chefs d'État africains. Et c'est à nous, comme j'ai dit, gouvernement, experts, décideurs et même privés, sociétés civiles, à veiller sur l'implémentation de ces initiatives et de ces programmes. Merci pour votre intérêt à participer dans ce forum, Excellence. Excellence, Monsieur le ministre, avant de partir, puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion de vous voir virtuellement depuis que vous avez été nommé, à ma qualité de secrétaire exécutif de la conférence ministérielle africaine pour l'environnement, je voudrais de vive voix vous féliciter. Et merci, vous rassurer que nous continuerons de soutenir. Avec un grand plaisir, et sachez que le Maroc est à votre disposition. Toute notre expérience avec ses succès et ses échecs est à votre disposition. Nous sommes prêts à collaborer ensemble. Nous sommes prêts même à créer des centres d'excellence en la matière. Certes, vous êtes au courant que notre 4C est devenu aujourd'hui 4C africain. C'est un centre dédié à l'Afrique. Et nous avons même préparer des plateformes en faveur de l'Afrique dans tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est efficacité énergétique, tout ce qui est électricité, tout ce qui est eau. Nous sommes à votre disposition. Excellent. Merci vos excellences.
Je cède la parole à Seymen Chakraoui pour commencer, débuter la première séance du Global Green Forum, comme on dit, pour la première table ronde qui concerne la partie relance verte après la pandémie du COVID-19, vu qu'elle sera derrière. Merci beaucoup, vos excellences. Merci beaucoup. Merci, monsieur, son excellence, monsieur le ministre du Gabon, madame la ministre du Rwanda et monsieur le directeur général du ministère de l'Environnement du Sénégal. À vous la main, Sien. Merci beaucoup. Merci, Sikali. Donc, je suis Heymen Chakraoui, chargé de développement stratégique à la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Bonjour à tous. Bonjour, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur Général, Excellences, Mesdames et Messieurs. Comme cela vient d'être indiqué, j'aurai le plaisir d'être le modérateur de cette table ronde où je suis convaincu les débats seront particulièrement intéressants, fascinants et s'inscriront en directe continuité de cette session inaugurale qui, j'en suis convaincu également, nous a tous inspirés. En tant que modérateur de cette table ronde, j'ai aussi la mission de partager avec vous une mise en contexte rapide. Il s'agit là d'une mission quasi impossible dans la mesure où on ne peut imaginer de meilleure mise en contexte que celle dont nous avons pu bénéficier il y a quelques minutes. Mais même si c'est une mission impossible, c'est une mission que je me dois de relever. Je vais donc partager mon écran. Je vous rassure, je n'ai que 3 slides très brèves à présenter avant d'ouvrir de manière un peu plus concrète cette table ronde. Alors, et voilà. Très bien. Donc, mise en contexte, donc j'ai rapidement pu insérer une capture d'écran de la session inaugurale. Malheureusement, c'est pas la meilleure des captures d'écran, mais vous comprendrez que, compte tenu des limitations techniques, j'ai fait un effort pour aussi faire ce lien avec cette session inaugurale qui a déjà posé ce contexte, qui a déjà aussi posé des invitations concrètes, telles que celle de Monsieur le ministre à la fin de mettre en place ce Global Green Network en ce qui concerne les décideurs et cette invitation à la coopération et au partenariat. Les impacts multidimensionnels de la crise ont été évoqués par l'ensemble des intervenants. Vous remarquerez à gauche de mon écran, j'ai fait une capture d'écran d'un tweet d'une des intervenantes de la table ronde, donc le docteur Juliette Biao-Koudenoukpo, qui est donc directrice bureau Afrique au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement et qui, il y a quelques semaines, faisait acte de l'ouverture de la 8e session spéciale de la conférence des ministres africains pour l'environnement avec une thématique particulièrement importante qui est l'amélioration de l'action environnementale pour une relance verte effective en Afrique, donc en plein dans la thématique de notre table ronde aujourd'hui. Vous voyez aussi que j'ai aussi choisi de partager un extrait de la déclaration ministérielle qui a conclu les travaux de cette session extraordinaire, donc en décembre dernier, parce que je pense que c'est une citation qui met véritablement en exergue le caractère multidimensionnel des impacts de la crise du Covid. Donc, les ministres de l'Environnement indiquaient qu'ils étaient conscients, africains, indiquaient qu'ils étaient conscients que la pandémie de maladie à coronavirus exerçait une pression supplémentaire sur le développement socio-économique de l'Afrique et les efforts déployés par le continent pour parvenir à un développement durable et éliminer la pauvreté, l'Afrique étant largement tributaire de ses ressources environnementales et naturelles. Ça a été rappelé encore une fois par l'ensemble des intervenants dans l'allocution d'ouverture il y a quelques instants. Dans cette slide, vous voyez également les 5 P du développement durable, peuple, planète, prospérité, paix et partenariat, parce que tous ces P ont été impactés d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière directe ou indirecte, par cette crise pandémique. Les peuples, nous, en tant que personnes, en tant que communauté de personnes, en tant que nation, en tant que communauté globale, avons été impactés, que ce soit de manière directe ou indirecte, notamment en particulier par le volet sanitaire. La planète également a été impactée par cette pandémie du Covid. Au niveau environnemental, certains experts ont pu identifier
à courte durée des côtés qu'on pourrait qualifier quasiment de bénéfiques, notamment liés au confinement. On peut penser à la qualité de l'air ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il est important de noter que il s'agit là d'estimations préliminaires, et il s'agit là aussi d'estimations qui sont basées sur le court terme. Rien n'assure à ce stade que ces réductions vont s'installer dans la durée. La prospérité, bien entendu, ça a été rappelé encore une fois par l'ensemble des intervenants dans la session inaugurale. L'impact de la pandémie sur le Covid a été majeur. Le continent africain n'a pas été épargné de cet impact. Il y a eu beaucoup de chiffres et d'estimations qui ont pu circuler. Je vais citer notamment une estimation qui a été partagée par les experts du groupe africain au niveau de changement climatique qui ont indiqué que le continent africain connaîtrait une contraction de l'ordre de 3,4% en termes de sa croissance suite aux impacts économiques du Covid, avec une perte se situant aux alentours des 200 milliards de dollars. D'autres acteurs, d'autres experts ont pu estimer, dépendamment bien évidemment des économies africaines, des impacts en termes de rétraction et de contraction se situant de l'ordre de 1% à, dans certains cas, jusqu'à 8%. Les partenariats ont aussi été impactés. Malgré l'esprit solidaire qui unit le continent, il a été beaucoup plus compliqué de se rencontrer, avec notamment la réalité de la fracture digitale qui caractérise notre continent. Et cela a aussi retardé certaines opportunités de collaboration et de collaboration. Et bien entendu, notre capacité à vivre tous ensemble en paix a été mise au défi, en particulier par cette crise, mais grâce à la capacité de résilience particulièrement vécue par les peuples africains, dans une large mesure, c'est un défi que le continent n'est pas resté les bras ballants, mais au contraire, s'est mobilisé pour relever ce défi. Et pour parler de défis liés à cet impact de la pandémie du Covid dans le cadre de la relance verte, deux en particulier sont importants à indiquer. Le premier étant un défi de temps avec l'urgence de l'action, que ce soit au niveau sociétal, économique ou environnemental, mais également les défis des moyens de mise en œuvre. Il s'agit là d'un sujet qui revient souvent dans les échanges multilatéraux, parce que c'est un sujet dont l'actualité ne part pas avec le temps, qui demeure d'actualité particulièrement importante pour notre continent africain, que ce soit sur les aspects de finance, de technologie ou de renforcement des capacités. Vous verrez sur la droite de la slide, il y a une citation de Monsieur le secrétaire général des Nations Unies qui date il y a quelques jours, qui, à mon sens, met en exergue ce lien entre les défis de temps avec l'urgence de l'action et les défis de moyens de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les pays en développement. Donc, je vais me permettre de vous la lire rapidement. Nous manquons de temps pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius et renforcer la résistance aux impacts à venir. Nous devons également faire preuve de la même urgence et de la même ambition en ce qui concerne la manière dont nous produisons notre nourriture et gérons notre eau, nos terres et nos océans. Les pays en développement ont besoin d'une aide accrue. Ce n'est qu'alors que nous pourrons protéger et restaurer la nature et nous remettre sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030. Ceci est la dernière slide de cette brève prétendue présentation de mise en contexte. Pour un relèvement continental efficace, vous verrez en bas à gauche de cette slide une capture d'écran qui est extraite d'un document de la Banque mondiale qui date du mois dernier, Perspective économique mondiale, où vous verrez que dans une large mesure, l'année 2020, en termes d'estimation à ce stade, a vu une rétraction, une contraction économique majeure. Mais en même temps, en ce qui concerne les prévisions pour 2021 et 2022, nous avons cette opportunité de relance. Et c'est un élément qui a été indiqué par l'ensemble des honorables intervenants dans notre allocution d'ouverture aujourd'hui, et qui est aussi une composante importante de cette déclaration ministérielle que j'évoquais tout à l'heure. Une nouvelle fois, une citation que je voudrais partager avec vous, le « nous » ici indiquant les ministres africains de l'environnement, qui note qu'un relèvement efficace après la pandémie peut offrir l'occasion d'intégrer davantage les considérations environnementales dans toutes les facettes de l'économie, en s'efforçant de mettre en place un mode de développement durable, plus respectueux de l'environnement,
résilient, à faible émission de carbone et inclusif, qui renforce la disponibilité de la base des ressources naturelles et protège l'environnement. Monsieur le ministre, tout à l'heure, ainsi que Madame la ministre, avait insisté sur le rôle de la technologie, de l'innovation et de la recherche africaine pour idéalement et de manière solide et convaincante positionner le continent africain avec l'ensemble de ses forces vives pour saisir les opportunités qui découlent de cette opportunité de relance verte. Donc, ceci conclut, je vais arrêter de partager l'écran, ceci conclut la mise en contexte, et j'aimerais à ce stade céder la parole à Madame Juliette Biao-Kudempo, directrice du Bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Madame la directrice, en tant que co-facilitateur des parties prenantes et grands groupes africains au niveau du PNUE, j'ai eu l'insigne honneur et privilège d'apprendre à mieux connaître le PNUE ces derniers mois. Et il est évident que le programme de relance africaine qui a été, verte africaine, qui a été notamment évoqué par monsieur le directeur général tout à l'heure, est une opportunité importante. Et je me joins également aux félicitations que l'ensemble des intervenants de l'allocution d'ouverture vous ont transmis en ce qui concerne cette session 5.1 de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement qui vient de clôturer et le fait que nous avons entamé la commémoration du 50e anniversaire de ce programme. Madame, cette table ronde. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et je permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence, monsieur le ministre de l'énergie, des mines et puis de l'environnement du Maroc, et de remercier aussi les organisateurs de cette conférence pour m'avoir fait vraiment l'honneur de m'inviter à participer à l'assise aux assises d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs les ministres, je n'aimerais pas vraiment m'attarder sur les défis de la pandémie du COVID. Hier encore, j'étais sur le plateau de Medi 1 au Maroc, avec le Maroc, et j'en ai parlé vraiment largement et je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Je pourrais peut-être prendre deux petits éléments des défis, mais je veux plus m'attarder sur les leçons apprises et puis les opportunités. Et je suis vraiment bien à l'aise d'en parler aujourd'hui parce qu'on vient de conclure, comme vous l'avez dit, la première phase de la cinquième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Et avec la stratégie du PNUE qui a été adoptée, je suis parfaitement à l'aise de présenter les opportunités qui s'offrent au monde entier, surtout au continent africain, pour pouvoir vraiment contrer la pandémie du COVID-19. Alors, comme élément de contexte, les deux petits éléments que je voudrais faire ressortir, c'est que, la pandémie du COVID, en fait, a révélé la fragilité de nos économies en renforçant les inégalités et puis mettant en péril, comme déjà un présentateur l'a dit, mettant en péril les progrès qui ont été déjà réalisés par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable. Par exemple, l'extrême pauvreté. À peu près 1 milliard de personnes étaient déjà sorties de l'extrême pauvreté en 2015. Le taux de l'extrême pauvreté en 2015 était de 10%. En 2010, c'était de 16%. En 1990, c'était 36%. Vous voyez que pendant les 25 dernières années, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté. Tout ça est remis en cause maintenant avec les inégalités qui se sont renforcées, avec l'accentuation des changements climatiques. Deuxièmement, l'impact de la pandémie de COVID vient encore s'aggraver avec les trois crises planétaires que sont les changements climatiques, la perte de la biodiversité et la pollution. Alors, quand je dis que la pandémie du COVID nous a révélé la fragilité de nos économies, il faut voir quelles sont les leçons qu'on en tire.
Le ministre Lee White vient de parler de cette réunion qui se tient en ligne et ce qu'on y gagne en termes d'émissions de carbone. Mais il faut aller vers rejeter les anciennes pratiques, non durables, et maintenant ouvrir les yeux sur les innovations. Or, en Afrique, nous ne pouvons pas être en train de parler des innovations sans parler de la recherche. Et je suis bien vraiment contente que le ministre de l'Environnement du Maroc ait parlé vraiment de leur intention de pouvoir vraiment renforcer la collaboration régionale autour des questions de la recherche. Mais sans recherche, il n'y aura jamais d'innovation. Et aujourd'hui, nous savons que sans innovation, on ne saurait vraiment relancer de façon efficace l'économie en récupérant de la pandémie du COVID. C'est le moment pour nous, c'est l'opportunité pour nous de repenser, de requalifier, de réorganiser nos stratégies, de réoutiller le cas échéant en s'assurant qu'on va vers un développement durable, inclusif et sobre en carbone. Et c'est cela justement qu'offre le programme de relance verte qui a été adopté lors de la conférence ministérielle africaine qui a eu lieu en décembre 2019. Là, une action transformatrice clé pour aller vers une bonne relance de l'économie en Afrique, c'est aussi d'aligner les approches d'économie circulaire avec le programme, le mécanisme intergouvernemental qui existe déjà, et d'une part, en renforçant aussi la dimension environnementale, telle que l'a recommandé la 15e conférence ministérielle africaine pour l'environnement, mais aussi d'aligner ça au programme, au mécanisme régional de mise en œuvre de l'économie circulaire, tel qu'il est inscrit dans le programme de relance vert que les ministres ont adopté. Je voudrais dire que lors de la session, la récente session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, la récupération de la pandémie du COVID-19 a été vraiment au cœur de cette assemblée-là. En effet, la stratégie du PNUE qui a été adoptée vise à reconnecter l'humanité avec la nature. Rappelons-le, la directrice exécutive du PNUE l'a mentionné à plusieurs reprises, et je cite, « La nature nous lance un message en ce qui concerne la pandémie du COVID et les changements climatiques. » Elle a voulu, et fin de citation, elle a voulu par là nous dire vraiment qu'il faut cesser d'exploiter la nature de la façon dont on le fait. Et donc, cette stratégie aussi vise à promouvoir l'économie circulaire. Madame la ministre du Rwanda l'a dit, en marge de la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, l'Union européenne, en collaboration avec le PNUE, en coordination avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ont lancé l'Alliance mondiale pour l'économie circulaire et l'efficacité des ressources. Cette stratégie du PNUE aussi va donner des orientations sur la meilleure façon de gérer les déchets considérables qui ont été générés pendant la pandémie du COVID. Et enfin, la stratégie va permettre aussi d'aller plus vers une économie verte en renforçant les projets qui sont en cours tels que le Switch Africa Green, la santé, l'infrastructure, les pertes et gaspillages alimentaires le long de la chaîne de valeur. Je crois que il faut construire, tout en construisant sur ces éléments-là, il faut innover. Et moi, si vraiment l'Union africaine, les pays africains peuvent vraiment se rappeler que c'était en 2010, si je me rappelle, les États avaient quand même pris l'engagement de dédier 10% de leur budget à la recherche. Qu'est-ce que ça devient maintenant? Est-ce que la pandémie du COVID ne peut pas vraiment aller réveiller toutes ces déclarations qui sont là
pour dire, écoutez, ouvrons, la pandémie nous ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il faut qu'on innove. Si, ceci n'est pas, je ne voudrais pas par là dire qu'on n'est pas en train d'innover, mais on ne communique pas aussi sur les grandes innovations, surtout qu'il y a eu dans chacun des pays, et que les jeunes particulièrement ont démontré vraiment leur capacité d'innover. Si nous voulons aller vers une coopération régionale, il faut que l'information se partage et qu'on voit comment on pourra amplifier. Je finirai en concluant en disant que vraiment, je voudrais lancer humblement un appel vibrant aux institutions gouvernementales, aux organisations de la société civile, aux organisations du secteur privé et au grand public de façon générale pour qu'on aille vers le rejet des habitudes et des pratiques du passé qui sont incompatibles avec une consommation et une production durable. Je voudrais, les gouvernements sont en mesure de renforcer les liens entre la santé humaine et puis l'environnement. Et enfin, je finirai en disant que en observant la nécessité vraiment de veiller à ce que le programme de relance économique dans lequel l'Afrique s'embarque en ce moment puisse vraiment être intégré et bien aligné au programme 2030 et les objectifs de développement durable, ainsi que l'agenda 2063 de l'Afrique et l'accord de Paris et d'autres accords multilatéraux pertinents. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Madame la Directrice, pour cette excellente intervention. Merci infiniment. Vous avez effectivement indiqué clairement votre souhait de vous concentrer sur les opportunités plutôt que sur les défis, comment nous avons des opportunités qu'il est important de saisir, la construction et l'innovation qui vont de pair. Vous avez aussi insisté sur l'importance de la recherche. Ça me fait penser au sommet World Power to X qui a été abrité il y a quelque temps en ce qui concerne justement ces opportunités qui sont liées aux énergies vertes en particulier. La communication autour de l'innovation, le rôle de la jeunesse, nous le savons tous, nous avons un continent qui est jeune. La jeunesse africaine est particulièrement inspirée, engagée, créative, innovante, et il est important de communiquer autour de ces innovations-là. Et je pense que nous avons tous répondu de manière émotionnel presque à votre appel que vous avez qualifié de vibrant, d'assurer des changements de comportement vers la consommation et la production durable. Je vais maintenant passer au prochain intervenant de cette table ronde. Le programme des Nations Unies pour le développement est un acteur stratégique clé en ce qui concerne le développement durable au niveau global, y compris dans ce qui concerne le continent africain. Et j'ai donc le plaisir d'introduire Monsieur Dr. Edward Christou, qui est le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement au Maroc. Docteur. Merci beaucoup, Monsieur le Moderateur, Monsieur le Ministre d'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Madame Directrice du Bureau Régional pour l'Afrique du Nord, Vos Excellences, chers invités et chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier l'organisateur pour l'invitation. Je voulais exprimer la satisfaction du Bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement au Maroc, de partenariat stratégique et historique avec le département d'énergie et l'environnement. Je voulais féliciter le gouvernement du Maroc pour les efforts inlassables par tous les acteurs par la gestion de la crise sanitaire COVID-19. Mesdames et messieurs, la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 qui sécure actuellement le monde entier engendrait des répercussions profondes et multiformes sur tous les secteurs, avec des conséquences sanitaires et socio-économiques dévastatrices pour les pays à venir faire. Le pays africain subit déjà un choc important avec des secteurs entiers qui s'effondrent. Les effets réels sur le moyen et long terme restent encore difficiles à appréhender, et un retour en honneur du mur tributaire d'une part des capacités des pays à gérer et atténuer les impacts de la crise et d'autre part de leur stratégie et plan de relance économique. Le relèvement post
crise doit être considérée comme une opportunité pour les pays africains pour se mettre sur la voie du développement inclusif et durable et le programme du pour le 2030 avec ses objectifs 17. C'est une véritable feuille de route pour guider nos parts en changement transformateur. Cette crise nous a rappelé que toute reprise qui ne parvient pas à s'attaquer aux causes profondes de nos vulnérabilités actuelles nous condamne à des crises plus sévères à l'avenir. Nous devons réagir ensemble de manière décisive et innovante. Nos choix d'aujourd'hui déterminent à l'avenir des 30 prochaines années. Mesdames et messieurs, la pandémie COVID-19 a souligné un besoin urgent d'une transformation numérique en Afrique, non seulement en tant que réponse à la pandémie, mais aussi pour surmonter les crises futures, élargir les opportunités de développement. L'Afrique est sans aucun doute un continent à la fois de défis et d'opportunités. Le bouleversement technologique transforme les marches et l'économie à travers le continent d'une manière qui n'aurait pas été imaginable il y a de quelques années. Devant d'innombrables opportunités vers une croissance économique verte et un énorme potentiel pour réaliser une montée en puissance dans l'éducation, l'innovation, la création de l'emploi pour la structuration des secteurs informels qui demeure un moyen substantiel majeur dans le continent. Cependant, ces potentiels restent encore largement inexploités. Selon le rapport COVID-19, les solutions numériques de l'Afrique, établi en juillet par le BEI et le PNUD, ont estimé que 900 millions de personnes ne sont pas connectées à l'Internet en Afrique et que seuls 27% des femmes africaines ont accès à l'Internet et 15% d'entre elles seulement ont le moyen d'utiliser. La crise a mis en évidence la nécessité d'une expansion des services et infrastructures numériques en Afrique pour en croître la pénétration au débit, développer les services numériques dans tous les domaines de la santé, de l'éducation, l'agriculture et des autres secteurs, et renforcer les capacités pour répondre aux futurs chocs et crises. Combler la lacune numérique aura des retombées positives qui continueront de se produire après la pandémie comme l'innovation, le développement des compétences numériques, la gouvernance numérique, la protection des données et la cybersécurité. Mesdames et messieurs, c'est avec cet impératif et l'aspirer que le programme des Nations Unies pour le développement travaille de concert avec le gouvernement du Maroc pour une intervention transversale de la digitalisation dans toutes les non-interventions. Ainsi, et afin d'assurer la continuité des services rendus aux citoyens durant le confinement, le PNUD a contribué à la digitalisation de 40 bureaux d'ordre, ainsi que la digitalisation de l'octroi et de l'estation de handicap via une plateforme numérique. Attente d'autant le secteur social des outils de travail, le PNUD a permis d'accélérer la distribution des aides sociales aux populations les plus vulnérables. Convaincu de l'importance et de l'efficacité du digital et du commerce en ligne en cette période de crise, le PNUD a soutenu les coopératives fragiles en renforçant leurs capacités en matière du marketing digital et en vente en ligne. Le succès récent des solutions digitales, bureaux d'ordre digital, paraffeurs électroniques, télé rendez-vous adoptés par la législation marocaine, dénote de l'intérêt grandissant de recourir aux outils innovants et la volonté d'instituer une nouvelle culture digitale au sein du secteur public. Le potentiel d'élargissement de cette expérience réussie est énorme, notamment dans le cadre de collaboration sud-sud avec les pays africains. Mesdames et messieurs, en termes d'environnement et développement durable, la digitalisation permet de contribuer considérablement à la réduction des émissions gaz à effet de serre GES, notamment à travers des systèmes intelligents améliorant la gestion d'énergie, des ressources et de transport. À titre d'exemple, les projets Smart Grid,
utilisant la technologie du digital dans le reçu de la distribution de eau et d'électricité permet une meilleure gestion des ressources, d'éviter les gaspillages et d'économiser considérablement les ressources. En autre cas, les villes connectées Smart City utilisant l'innovation technologique à des fins d'amélioration de la qualité de la vie des citoyens et de la transition environnementale à travers notamment le contrôle de la pollution de l'air, la surveillance et régularisation du trafic, la gestion centralisée et connectée des équipements publics. L'agriculture intelligente utilisant des données, des logiciels et des applications mobilisées basées sur le données météorologiques, des prévisions climatiques et des spécifiques locales permettent d'assurer une meilleure gestion et d'obtenir des meilleurs rendements de façon durable. Autant d'exemples qui montrent qu'aujourd'hui, les avances digitales soutiennent le développement durable et responsable, il va sans dire que les pays africains gagneront à développer l'infrastructure et les services numériques indispensables pour atteindre les objectifs de la stratégie de transformation numérique entre 2020 et 2030 de l'Union africaine et les objectifs mondiaux. La coopération pour le développement a certainement une rôle essentiel à jouer dans le développement des capacités, le partage d'expériences internationales réussies, le soutien des systèmes du gouvernement, l'élaboration des politiques qui attireront l'investissement et stimuleront l'innovation. Merci beaucoup. Et je donne la parole à vous, monsieur le modérateur. Merci. Merci, merci, docteur. Merci pour cette intervention. Vous nous avez invité à nous attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité afin de d'acter le changement. Nous inviter également à exploiter le profond potentiel de notre beau continent. Et vous avez particulièrement mis en relief les potentialités ainsi que les actuels défis liés à la transformation digitale au numérique. Et nous avons tous conscience de ces problématiques. Et je pense que c'est d'autant plus à propos dans le cadre de nos échanges aujourd'hui que les organisateurs m'ont informé que bien qu'ils soient connectés, les deux autres intervenants au panel, donc Madame Rahab et Monsieur Dorsouma, ont des difficultés à pouvoir connecter leur son et caméra. Donc, en attendant, en espérant que ces difficultés techniques puissent être résolues, je vais peut-être poser une première question d'échange et de débat, à moins bien sûr que des intervenants de la locution d'ouverture, que ce soit messieurs les ministres, madame la ministre, monsieur le directeur général, s'ils sont avec nous, souhaiteraient réagir dans un premier temps aux deux interventions qu'on a écoutées. J'allais proposer aux deux intervenants qui sont connectés pour cette table ronde d'un peu échanger davantage autour des potentialités du numérique, en particulier vis-à-vis de la jeunesse africaine, en ce qui a trait à la recherche, l'innovation, le développement de technologies, les collaborations, qu'elles soient strictement limitées dans le contexte du continent ou bien plus large. Donc peut-être céder la parole à moi que je vois un intervenant, la locution d'ouverture qui souhaite intervenir, à Madame Biao pour qu'elle puisse réagir. Je vois que Monsieur le ministre du Gabon a activé sa caméra. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir, Monsieur le ministre. Non, c'est bon, parfait. Madame Biao. Ah, pardon, je crois que Monsieur le ministre a levé la main. Oui, Monsieur le ministre, ben, je vous en prie. Moi, j'ai bien écouté les deux interventions qui sont très riches et j'en ai noté quelques idées qui peuvent se traduire en projets dans mon pays. Mais j'ai une proposition à madame la représentante. Moi, je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une base de données des différentes initiatives en Afrique. L'intelligence est là. Je crois que même les moyens de financement sont là. Mais je crois que le fait de mettre en place une base de données des initiatives, une base de données des projets, ça permettra de raccourcir, si vous voulez, de gagner du temps et d'aller rapidement. Si on prend chaque pays, il y a des initiatives dans le numérique, dans le développement durable, dans l'utilisation d'énergie
propre dans pas mal d'activités. Je crois que ça serait bien de documenter ces différentes initiatives et de les mettre dans une base de données qui est accessible à tout le monde. C'est du numérique qui nous permettra d'accélérer, si vous voulez, les échanges d'expériences et même d'imiter certaines expériences. Parfois, il suffit de prendre le même cahier de charge, les mêmes termes de référence, le même design et de le dupliquer quelque part. Et ça permettra, comme j'ai dit, de gagner du temps et en même temps de gagner de l'argent. Moi, je crois qu'on a besoin de ça. Et sincèrement, nous sommes prêts à travailler avec vous dans la mise en place de ce, entre parenthèses, data center des expériences réussies des uns et des autres. Madame la directrice. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Son Excellence, monsieur le ministre, moi, je ne peux que saluer vraiment votre proposition, mais vous dire aussi que nous avons commencé une initiative de ce genre, notamment dans le domaine des déchets plastiques. Et d'ailleurs, le Maroc avait été invité ici au Kenya pour pouvoir partager leurs expériences dans le domaine de l'interdiction des déchets plastiques. Et contrairement à ce que les gens pensent, hein, Monsieur le ministre, je peux vous dire que c'est à peu près 23 pays africains qui ont déjà interdit les déchets plastiques, vous n'allez pas croire. Et on a commencé l'exercice, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pays, mais seulement la différence, c'est que le problème, c'est que tous les pays n'étaient pas au même niveau d'élaboration des lois. Et même les produits qui étaient interdits étaient vraiment diversifiés. Donc, on est en train de continuer ce travail-là. Et je dois vous dire que ce que vous venez de proposer, c'est exactement ce que le NEPAD a entrepris et nous a présenté lors de la 17e session de la conférence ministérielle africaine à Durban. Et je peux vous assurer que je me mettrai en contact avec la coordonnatrice au niveau de... Parce que ce qu'on veut aussi éviter, c'est de dupliquer les initiatives. Donc, on va se mettre ensemble avec le NEPAD pour choisir un certain nombre d'initiatives. Vous avez mentionné l'énergie renouvelable. Nous sommes en train de faire le même travail sur la géothermie. Et nous pouvons vous dire qu'il y a déjà des données qui sont disponibles. Donc, je peux vous rassurer, Monsieur le ministre, et je reviendrai vers vous pour vous donner, pour vous dire un peu ce qu'on a retenu avec le NEPAD. Et on pourrait aussi bénéficier de vos conseils sur une feuille de route. Le Maroc, vous l'avez mentionné, en train de quand même de prendre de bonnes initiatives. Je l'ai mentionné hier sur le plateau avec Mehdi 1. Voyez, par rapport à la convention de Stockholm, l'élimination des POPs à travers les transformateurs dans la plateforme électrique, c'est le Maroc seul qui a cette plateforme-là en Afrique. Alors que il y a quelques années, même maintenant, pour que les pays aillent vraiment éliminer ces transformateurs-là, ça coûte de la tête aux pieds. Et le transport d'abord en France, c'est coûteux. La destruction même des transformateurs est beaucoup plus coûteuse. Et quand j'ai vu cette plateforme au Maroc, j'ai dit, ben, où est la coopération régionale? Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pourquoi je suis un peu peinée lorsqu'on s'attarde beaucoup sur les défis. Les défis sont là, c'est vrai. Et même avec mes collègues ici, dès que tu demandes un rapport, c'est vite fait de dire à cause du COVID-19. Mais le COVID-19 n'a pas posé que des défis. Le COVID-19 a aussi offert des opportunités pour qu'on ouvre des yeux sur les domaines dans lesquels nous devons refaire les choses, les domaines dans lesquels nous devons amplifier les choses. Et ça ne se fera pas sans l'implication du secteur privé. Je vous remercie. Merci infiniment. On m'a informé que Monsieur le ministre du Gabon souhaiterait intervenir. Ok, très, très bien, merci. Je pense que cette idée de
de faire une base de données sur toutes les initiatives africaines, c'est quelque chose de très intéressant. Je pense qu'il faut... Moi, je suis scientifique d'origine avant d'être ministre. Je pense qu'il faut vraiment voir comment on peut dynamiser la science africaine sur ces questions. Il y a une étude que j'ai lue il y a 2-3 ans qui m'a traumatisé, qui a fait le lien entre la forêt du bassin de Congo, surtout de la RDC, et la pluviométrie dans les montagnes d'Éthiopie, qui montre que si on perd la forêt, on perd la pluie en Éthiopie, on perd le Nil bleu et on perd l'agriculture en Égypte. Et donc, qui montre qu'il y a des liens continentaux entre nos écosystèmes et que vraiment ces questions de solutions basées sur la nature pour la résilience, c'est absolument critique qu'on comprend mieux et qu'on partage des informations. Qui peut imaginer qu'en coupant un arbre dans le bassin de Congo, ça peut créer une sécheresse en Égypte? Et il y a maintenant un papier similaire qui est sorti l'année dernière qui montre le lien entre la pluie au Gabon, la forêt au Gabon et au Congo, Congo-Brazzaville, et la pluviométrie dans le Sahel, donc au nord du Nigeria. Je pense que c'est, quand je lis ces papiers, ce sont des papiers sur lesquels il n'y a aucun auteur africain. Malheureusement, au Gabon, on a très peu de climatologues. Donc, il y a une question pour nous, gouvernement, d'investir dans la science appliquée sur les questions de changement climatique, de voir des possibles collaborations entre nos différents pays. Science, technologie, bien sûr, ça va ensemble. Si on n'a pas assez de scientifiques dans chacun de nos pays, c'est en créant des réseaux africains qu'on peut, on peut stimuler la recherche, on peut promouvoir la formation, on peut promouvoir des échanges. Cette réunion qui focalise nos attentions sur l'Afrique, je pense que c'est très important et c'est quelque chose qu'on peut continuer ensemble. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, avec plaisir. Merci, madame. Ouais. Merci, Son Excellence, Monsieur le ministre du Gabon, pour cette intervention vraiment très, très pertinente. Je voudrais seulement vous dire que l'UNESCO, notamment le département des sciences au niveau de Paris, nous a déjà contactés et nous a aussi informé qu'il y a un financement qui pourrait aider pour promouvoir justement les chercheurs africains afin qu'on puisse disposer d'un réseau africain sur la recherche, mais en mettant l'accent aussi sur les femmes et les jeunes. Nous n'avons pas encore vraiment décortiqué le concept, la note conceptuelle sur ce sujet. Et c'était juste avant le COVID-19. Encore une fois, je veux mettre quelque chose sur la pandémie du COVID, mais je vous assure que l'UNESCO et puis le PNUE vont continuer cette discussion-là en prenant en compte cette recommandation. Et puis, nous vous revenons là-dessus. Mais ce serait bien, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement, de vraiment nous mettre en contact avec des points focaux qui vont nous permettre de faire le suivi des recommandations qui sont en train de sortir de ces assises. Comme je le dis souvent dans les conférences et puis Dieu sait combien de milliers de webinaires nous participons, je dis, si on ne peut pas aboutir à quelque chose de concret, ça ne m'intéresse plus. Donc, ce serait bien à la fin de ces assises-là qu'on ait vraiment des points focaux qui nous tiraillent un peu au niveau du Bureau Afrique pour dire
recommandation 1, on a dit ceci, où est-ce que vous en êtes? En fait, le suivi, c'est ça qui va vraiment nous pousser à aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Monsieur le ministre veut réagir. Avocat, Monsieur Dr Christian, j'ai vu une main levée du Dr Christian. Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le moderateur. Je voulais ajouter quelque chose. Le PNUD a développé en partenariat avec le 4CM du Maroc une plateforme numérique qui avait des initiatives innovantes dans le domaine des changements climatiques, qui compte aujourd'hui autour de 40 initiatives nationales et internationales. Cette plateforme aujourd'hui est accessible sur le site du web du 4C Maroc. À vous. Merci. Très bien, merci beaucoup. Vous avez évoqué le 4C Maroc. Tout à l'heure, Monsieur le ministre avait indiqué que c'était un 4C Afrique avec ce positionnement renforcé et je pense que c'est en plein alignement avec nos échanges aujourd'hui. En écoutant aussi Madame Biaou par rapport au PNUE tout à l'heure, ça m'a fait penser à cette initiative abritée par le programme des Nations Unies pour l'environnement des universités vertes, le Youth and Education Alliance, avec lequel le Centre international Hassan II de formation à l'environnement collabore pour justement dynamiser un réseau d'échanges par rapport à ces importantes thématiques. Et je ne sais pas si Monsieur le ministre souhaitait réagir à cette invitation de la part de, enfin plutôt cet appel de la part de Madame Biaou à finalement à ce qu'on l'embête un peu en faisant ce suivi. Est-ce qu'on revienne la voir? Est-ce qu'on le... je pense que c'est une invitation intéressante. Et j'ai pu, en observant Monsieur le ministre pendant l'intervention de Mme Biaou, j'avais l'impression qu'il soutenait cette invitation et qu'elle lui parlait particulièrement. Moi, je suis tout à fait d'accord. On a besoin, comme j'ai dit, comme on a besoin d'un réseau des, entre parenthèses, d'un réseau des compétences, des décideurs et des ONG qui travaillent dans tout ce qui est vert. Nous avons besoin, bien sûr, d'un data, disons, d'une base de données, des initiatives, des projets qui sont lancés dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Certainement, nous avons besoin de faire vraiment un suivi intelligent des différentes rencontres qu'on a, des assises, des rencontres, des conférences et bien sûr des indicateurs de réalisation de ces différentes, d'implémentation de ces différentes recommandations. Ce qui est certain, c'est que si on prend l'Afrique aujourd'hui, il y a une grande course entre les pays africains. Tous les pays africains, et tant mieux. C'est très positif. Auparavant, il y avait des cours sur des choses négatives. Aujourd'hui, tant mieux. Hein, on est dans une compétition positive. Chaque pays est en train de revoir ses modèles de développement, de revoir ses stratégies, de revoir ses programmes et d'être même chaque pays africain veut être avant-gardiste dans certains domaines. Et je crois que c'est bien. C'est bien d'avoir un pays de l'Est qui est avant-gardiste dans tout ce qui est hydraulique, un pays de l'Ouest qui est avant-gardiste dans tout ce qui est maritime et atlantique, parce qu'on en a besoin. Et d'ailleurs, c'est une initiative qui a été lancée dernièrement pour voir ce qu'on peut faire pour l'Atlantique africain et surtout pour l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a de la pollution qu'il faut gérer, qu'il faut traiter, qu'il faut annuler. C'est bien d'avoir un pays du centre qui lance une initiative. Je crois qu'on a besoin de ces différentes initiatives, de ces différentes, si vous voulez, des pays avant-gardistes. Je rappelle quand même que lors de la COP 22, donc des commissions ont été lancées. Donc il y avait la commission du bassin de Congo et je remercie Monsieur le ministre d'avoir évoqué ça. Et je crois qu'aujourd'hui, les chefs d'État sont conscients, comme la commission du Sahel, sont conscients de l'importance, si vous voulez, de ces initiatives, de ces programmes. Et aujourd'hui, ces initiatives sont traduites en programmes et ils sont traduits en projets d'investissement. Moi, je crois que tout ce qui est green, tout ce qui est challenge climatique peuvent être traduits en opportunités pour les pays africains. Le numérique est une opportunité, le développement durable est une opportunité, l'agriculture aujourd'hui intelligente, smart agriculture est une opportunité, l'électrification pour l'Afrique, il y a un manque d'électrification, soit 600 millions de personnes non électrifiées, c'est un grand challenge, mais c'est une grande opportunité pour l'Afrique, parce que on peut utiliser des technologies off-grid, des technologies mini-grid, adaptées au contexte africain, basées sur des jointures entre les entreprises africaines, des centres de recherche africains. Et comme j'ai dit, c'est une compétition qui permet à l'Afrique aujourd'hui de choisir ses vrais partenaires, des partenaires de confiance, qui offrent des opportunités au contexte africain. C'est pas uniquement des appels d'offres et des marchés qui finissent, qui se terminent par la réalisation et point final.
Moi, je crois qu'on a besoin d'avoir ces différents partenariats intelligents. Et je crois aussi, on a les ingrédients. Afrique, et dès ce que nous appelons aujourd'hui la sixième région, hein, donc il y a une sixième région africaine qui existe au monde. Moi, je crois que c'est une diaspora qui est très riche et qui sont prêts à faire venir des centres de recherche, sont prêts à faire venir des investisseurs, sont prêts à faire venir des universités et même sont prêts, bien sûr, à lier de partenariats comme entre les pays africains et les pays de haute berge, cette diaspora africaine. Je crois, je suis très, 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 et nous sommes à votre disposition. Le 4C aujourd'hui, c'est un 4C africain. Et nous sommes à votre disposition. Je vais voir avec le PNUD. On va essayer de nous rencontrer encore une fois pour voir qu'est-ce qu'on peut ajouter comme, dans le puzzle, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme, comme composante nouvelle, comme ingrédient pour qu'il puisse, fonctionner, répondant aux attentes des différents pays africains qui veulent utiliser le 4C Maroc. Merci, merci infiniment, monsieur le ministre. Merci. Pardon. Est-ce que je peux peut-être dire, rapidement, je peux désolé, mais avant de faire cela, parce qu'on a réussi à être joint par une des intervenantes qui n'avait pas réussi à se connecter tout à l'heure. Et bien sûr, juste après son intervention, madame Biaou, je vous inviterai à réagir. Donc, madame Rim Brahab, qui est donc avec le Policy Center for the New South, on a parlé beaucoup de recherche, de réflexion, d'échange, de collaboration intellectuelle. Est-ce que vous pourriez ajouter votre pierre à l'édifice dans le cadre de cette course positive qui a été évoquée il y a quelques instants par monsieur le ministre? On ne vous entend pas, je crois que votre micro est désactivé. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Oui, c'est bon. Okay, merci. Allez-y. Beaucoup. Excuse du retard de mon intervention. On a eu des problèmes techniques et finalement j'ai pu me connecter avec mon téléphone. Donc je suis très ravie de faire partie de cette séance d'inauguration du Global Green Forum par Polytech organisée par le ministère de l'énergie, des mines et de l'environnement et représenter ainsi le Policy Center for the New South. Alors le thème de cette session qui est la relance verte de l'Afrique après la pandémie est très important car comme cela a sûrement été dit par les intervenants, surtout compte tenu de la situation actuelle que vit le monde depuis le début de l'année 2020, l'Afrique doit à la fois relever le triple défi de lutter contre la pandémie, relancer l'économie et assurer la soutenabilité de cette dernière. Alors, il est clair que les plans de relance économique adoptés par différents pays doivent ériger en priorité le redémarrage de l'appareil productif, la préservation des emplois ainsi que l'aide aux entreprises en détresse. Cependant, la question, le processus de transition énergétique ne doit pas être perdu au profit de ses priorités immédiates. Donc, la transition énergétique ou plus globalement la relance verte n'est plus un choix facultatif, mais une nécessité afin de garantir à la fois un modèle socio-économique soutenable et résilient qui est capable de faire face aux chocs futurs. Alors, si la transition énergétique est inévitable, elle est toutefois complexe, car il n'existe pas de stratégie universelle qui peut être appliquée à tous les pays, et cela est particulièrement valable pour l'Afrique, qui est un continent qui se caractérise par une grande diversité ou par la richesse et la diversité de ses ressources naturelles, notamment énergétiques. Donc, la transition énergétique se fera forcément à des rythmes différents, mais en fonction des ressources de chaque pays, de leur niveau de développement socio-économique et de la présence ou non d'un cadre réglementaire et juridique favorable à la transition. Toutefois, alors que chaque pays trace sa voie vers la croissance verte, on peut identifier un certain nombre de prérequis qui doivent être mis en place pour réussir cette transformation. Et dans ce sens, les économies africaines devraient mettre l'accent, un accent particulier sur l'adoption d'une combinaison de politiques climatiques et énergétiques d'un côté et économiques de l'autre, afin d'accélérer la transition énergétique et surtout vers un modèle qui soit résilient, neutre en carbone, qui génère à la fois des emplois et crée de la valeur ajoutée. Donc, les pays en Afrique, mais aussi d'ailleurs,
qui saisissent cette fenêtre d'opportunité pour redresser leur économie grâce à une énergie durable, pour bénéficier d'une série d'avantages. Il y a d'abord l'effet multiplicateur des investissements énergétiques sur le PIB, qui profitera aussi bien au pays qu'à son économie. Un deuxième avantage réside dans la création d'emplois. Alors, en effet, il existe un potentiel de création d'emplois tant en investissant dans les énergies renouvelables qu'en investissant dans la chaîne d'approvisionnement locale associée aux énergies renouvelables. Enfin, je donne un exemple. Au Kenya, par exemple, pour chaque 1 mégawatt de capacité de mini-réseau développé, il y a environ 800 emplois équivalents à plein temps qui sont créés. Par ailleurs, les technologies renouvelables atteignent à présent un coût inférieur ou égal à celui des combustibles fossiles. Donc, elles sont aujourd'hui la source d'électricité la plus rentable dans presque tous les pays du monde. Cela induirait donc un approvisionnement en énergie moins cher dans le futur. Mais il ne faut pas oublier toutefois la question de l'intermittence auquel il faut pallier. Un quatrième bénéfice réside dans l'amélioration des résultats en matière d'égalité et de genre, car le passage à des solutions plus propres, par exemple de cuisson plus propre, permet de réduire considérablement les problèmes liés à l'utilisation du diesel ou du kérosène et permet de libérer du temps pour des activités plus productives et favoriser ainsi, par exemple, l'esprit d'entrepreneuriat chez les femmes, surtout au milieu rural. Alors, rapidement, comme je l'ai mentionné plus tôt, si les pays africains cherchent à mieux redresser leurs économies et veulent bénéficier de ces avantages, plusieurs dimensions clés doivent être établies afin d'assurer une transition et une exécution réussie. Ces prérequis doivent bien évidemment être adaptés aux différents contextes socio-économiques, technologiques, réglementaires et juridiques de chaque pays. Mais si on veut les résumer, cela inclut tout d'abord la facilité de faire du business, ou le ease of doing business, pour faire en sorte que les investissements soient réalisés le plus rapidement possible et aussi stimuler le financement et l'implication du secteur privé. Par ailleurs, un autre point crucial est celui d'implémenter des politiques et des institutions solides en faveur des énergies renouvelables, de l'électrification aussi, et de la cuisine propre et de l'efficacité énergétique. Et afin de mettre en œuvre cette approche de manière efficace, les gouvernements africains doivent travailler dès maintenant pour établir ou habiliter des institutions telles que des régulateurs ou des agences d'électrification rurale et également s'assurer que les cadres appropriés soient en place pour faciliter cette transition. Un troisième prérequis est celui de s'orienter vers des tarifs, notamment d'électricité qui reflètent les coûts, car la tendance actuelle des pays sera de faire baisser les coûts de l'électricité, mais cela doit être évité car la réalité est que l'électricité est largement consommée par les résidents les plus riches ou les clients industriels et commerciaux, et il existe d'autres manières de protéger les populations en situation précaire contre les augmentations de tarifs, mais sans pour autant réduire le tarif pour tous les clients. Et puisqu'on parle de tarifs d'électricité, il y a également la question de la réforme des subventions aux combustibles fossiles, qui est nécessaire mais délicate, car la suppression de ces subventions permettra d'alléger la contrainte budgétaire qu'elles font peser sur l'État et encouragera une utilisation plus efficiente de l'énergie, mais elle nécessite également le fait de prêter une attention plus particulière aux effets de redistribution de cette réforme pour faire en sorte de garantir l'accès à l'énergie pour toutes les populations et notamment celles vulnérables. Un cinquième prérequis serait d'investir dans l'efficacité énergétique qui a le potentiel de créer des emplois et constitue aussi le moyen le moins coûteux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puisqu'on parle de création d'emplois, et vous l'avez mentionné au début, il faudrait également investir dans l'humain, c'est-à-dire dans les personnes, car si les gouvernements cherchent vraiment à tirer parti du potentiel de création d'emplois d'une meilleure reprise, il faudrait investir simultanément dans le capital humain afin de garantir l'existence d'un vivier de talents qui puisse répondre aux besoins au fur et à mesure de l'implémentation des industries des énergies renouvelables locales. Donc la formation technique, commerciale et entrepreneuriale est nécessaire pour promouvoir une industrie locale et répondre aux besoins de ce qui pourrait être un marché intérieur important. Donc, quelques mots pour conclure. Donc, la crise économique que nous vivons actuellement
ne justifie pas pour autant la réduction des mesures écologiques et environnementales. Aujourd'hui, plus que jamais, il devient crucial de construire un avenir plus durable qui assure à la fois le développement économique et la préservation de l'environnement. Et la notion de résilience de l'économie devient donc un concept clé pour se prémunir contre de futures crises, à l'instar de celles que nous vivons aujourd'hui. Donc, merci encore une fois pour votre attention et je m'excuse pour les problèmes techniques. Merci, on est heureux et soulagés d'avoir pu bénéficier de votre contribution. Tout à l'heure, Monsieur le ministre avait évoqué des ingrédients et vous avez partagé des ingrédients pour cette recette pour la relance verte. Monsieur le ministre de la République du Gabon avait aussi évoqué son background scientifique. Je pense qu'il aura aussi approché l'approche scientifique que vous avez manifestée dans l'énumération des ingrédients qu'ils soient de prérequis ou de démultiplication d'impact. Tout à l'heure, nous avons tous été frappés par l'exemple que Monsieur le ministre avait partagé en ce qui concerne les liens de causalité entre des actions dans un pays africain d'un point de vue environnemental en ce cadre de la forêt et du bassin du Congo avec, d'un autre côté, la sécheresse, par exemple, dans un pays de l'Afrique du Nord. Et je pense que, on peut envisager que les impacts que vous avez identifiés bénéfiques d'investir dans les énergies renouvelables en ce qui concerne l'égalité des genres sont des autres liens de causalité positifs, cette fois-ci, qu'on peut envisager. Donc, je regarde si des intervenants souhaiteraient prendre la parole à ce stade. Nous approchons du timing qui était prévu pour clôturer cette session. Donc, avant de céder la parole à Monsieur le ministre pour le mot de clôture, je veux juste vérifier s'il y a d'autres interventions souhaitées, que ce soit de Monsieur le ministre à l'oubli du concours. Madame Biaou, je vous avais promis tout à l'heure, c'est vrai, je vous avais promis que j'allais revenir, donc je vais tenir ma promesse. Et voilà, allez-y, je vous en prie. Merci, Monsieur le modérateur. En fait, c'est juste pour faire des propositions concrètes parce que nous aimons aussi tenir nos engagements au programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, pour éviter qu'on se disperse dans les questions de base de données, j'aimerais proposer à leur excellence, Madame et Messieurs les ministres, de pouvoir prioriser faire une priorité des domaines dans lesquels nous voulons vraiment des bases de données. Sinon, on risque vraiment de s'éparpiller. Et peut-être, ce qui pourrait nous orienter, c'est peut-être aussi les trois crises planétaires auxquelles nous faisons face en ce moment, à savoir le climat. Et par rapport au climat, je dois aussi rappeler que il y a déjà une initiative en cours avec le hub qui a été mise en place en marge de la 23e session de la conférence sur les changements climatiques, sur les contributions déterminées au niveau national pour chacun des pays. Nous allons finaliser ça. L'énergie peut s'y ajouter. Et puis le deuxième élément va être la biodiversité. Et le troisième élément va être la pollution. Je crois que si on commence par là, en essayant de décortiquer un peu chacune de ces crises planétaires auxquelles nous faisons face, nous pourrons avoir quelque chose. Bien entendu, le numérique sera le soubassement de ces trois éléments-là. Si on s'entend là-dessus, nous pouvons vous proposer vraiment une feuille de route, en sachant que le PNUE va travailler en étroite collaboration avec le NEPAD et nous sommes dans le système, dans le processus de réforme du système des Nations Unies et donc les agences aussi vont venir nous renforcer dans ce travail-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Biaou. Docteur Christao, est-ce que vous souhaiteriez intervenir à ce stade pour une dernière intervention avant que nous cédions la parole à Monsieur le ministre, Monsieur le représentant? Oui, je ne sais pas, je vous vois hocher la tête, mais je crois que vous êtes en mute. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Non, c'est bon pour vous? Parfait, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le représentant résident. Alors, on m'informe que les organisateurs m'ont envoyé. Alors, Madame la ministre du Rwanda, est-ce que vous souhaiteriez intervenir à ce stade? Excellence, nous ne vous entendons pas. Nous ne voyons pas non plus, par ailleurs.
Je n'ai pas l'impression que vous souhaitez intervenir. Donc, mais bien évidemment, sentez-vous libre d'intervenir à tout moment. Monsieur le ministre de la République du Congo, est-ce que vous souhaitez intervenir à ce stade avant de céder la parole à monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement pour clôturer? Oui, je vous ai vu. Donc, je vous cède la parole. Monsieur le ministre, après vous. Non, merci. Je crois que j'ai bien écouté les recommandations, les suggestions de. Je m'excuse si j'ai oublié son nom. L'experte de l'OCP. Je crois que ça serait bien, à mon avis, qu'on présente l'expérience de l'OCP en matière de développement durable et tout ce qui dans toutes ses facettes. L'OCP, je crois qu'il y a une transformation radicale depuis 2006. En 14 ans, l'OCP aujourd'hui est devenu un modèle en matière de développement durable. On est passé d'une économie basée sur le brut vers une économie avancée basée sur la valeur ajoutée industrielle. On est passé d'une logique de commerce simple entre le Maroc et les utilisateurs des engrais de l'OCP vers une relation gagnante-gagnante en créant des synergies et des partenariats chez les pays consommateurs à travers des grands contrats comme ce qu'on est en train de faire en Afrique pour fertiliser la terre africaine et bien sûr faire avancer l'agriculture africaine. Aujourd'hui, l'utilisation du numérique par l'OCP, c'est une expérience très réussie. Disons la logistique, c'est une logistique aujourd'hui qui est intelligente et qui est durable en passant donc d'utilisation des camions et tout ce qui est logistique qui utilise, si vous voulez, du fuel vers une logistique maintenant basée sur le pipe et sur d'autres types de logistique qui est durable. Mais en plus de ça, c'est tout ce qui est recyclage, utilisation des terres abandonnées, des parcelles abandonnées où il y avait donc des mines des phosphates. Comment aujourd'hui on est en train de les transformer en terre à valeur ajoutée, que ce soit par l'implantation des arbres fruitiers ou par d'autres choses. Mais en plus de ça, c'est tout ce qui est recyclage. Recyclage des déchets, des phosphates, recyclage des eaux usées et des rejets liquides, recyclage de tout type de déchets. Sincèrement, c'est une boîte africaine. Et on est fier d'être une boîte africaine, marocaine et africaine, qui aujourd'hui donne un véritable exemple en termes, si vous voulez, de durabilité, en termes d'émissions, en termes d'impact sur l'environnement et en termes même de développement local. Parce que là où il y a l'OCP, il y a un investissement en termes de développement local, social, économique, en termes d'infrastructure. Moi, je crois que, et en plus du numérique, l'écosystème de l'OCP, qu'il soit national ou international, montre qu'on peut faire mieux en moins de temps, donc en presque en décennie, on est passé d'une OCP 1.0 à OCP 2.0 et on est en train de passer à l'OCP 3.0 qui, à mon avis, avance dans cette logique de durabilité, tout ce qui est green. Merci infiniment, monsieur le ministre, pour ce partage. Vous avez évoqué le groupe OCP et son exemplarité. D'ailleurs, ça me fait penser que le groupe OCP est dans un partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, ainsi que l'Université Mohamed VI Polytechnique et le groupe Yungo, s'inscrit dans une des thématiques qui avait été identifiée par Madame Biao comme étant les trois prioritaires, en particulier le climat, par le biais de l'initiative African Youth Climate Hub, la plateforme de la jeunesse africaine pour le climat, dont l'appel à candidature pour l'incubateur clôture d'ailleurs ce vendredi. Madame Barahad, je ne sais pas si vous souhaitez compléter à l'invitation de Monsieur le ministre qui a démontré une connaissance approfondie et une vraie expertise par rapport au vécu de l'OCP par votre propre expertise. Alors merci beaucoup. Enfin justement monsieur le ministre a bien présenté le cas OCP. Si j'ai à rajouter quelque chose, ce serait qu'en effet le groupe OCP constitue un cas d'exemple d'une industrie marocaine qui est à la fois soucieuse aussi de
de l'environnement, en plus de toutes les mesures prises par le groupe qui ont été mentionnées par Monsieur le ministre. Je tiens aussi à rajouter toute la part qui est aussi relative à l'autoproduction de l'électricité que fait le groupe OCP pour ses propres besoins et toutes les initiatives aussi qu'il fait d'aussi reboisement, parce qu'il y a certains sites qui sont dédiés à l'extraction du phosphate et qui sont ensuite reboisés par des arbres pour un peu compenser l'effet négatif que peut avoir les activités de l'extraction sur l'environnement, et aussi toutes les actions de dessalement d'eau qui interviennent au niveau du traitement du phosphate brut et de sa transformation en engrais. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et on touche aux trois thématiques qui ont été identifiées par Madame Biao, à savoir pour. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, pardon, c'est bon. Oui. Je vous ai perdu pendant une seconde, j'ai cru que j'ai perdu la connexion. Très bien, on vous entend très bien. Donc merci pour ces compléments d'information, et on a couvert les trois thématiques qui ont été identifiées comme prioritaires par Madame Biao, à savoir un exemple concret par le biais du groupe OCP d'action africaine en ce qui concerne la pollution, le climat, et le troisième qui était donc la biodiversité et la perte de biodiversité. Donc à ce stade, je pense que nous avons discuter d'un ensemble de points fort importants, avec une invitation que je rappelle de Madame Biao d'être impactant, d'être concret, d'être dans le suivi. Cette invitation a été accueillie positivement par Monsieur le ministre, et j'aimerais donc à ce stade inviter Monsieur le ministre, vu que nous sommes arrivés à la clôture de cette session, s'il souhaiterait nous partager avec nous des éléments de suivi ou quoi qu'il en soit. Je vous en prie, si vous souhaitez réagir. Vous avez déjà donné un exemple concret tout à l'heure. Je dis, vous êtes les bienvenus au Maroc, virtuellement et présentiellement. Vous êtes les bienvenus, nous sommes à votre disposition, fiers d'être marocains, fiers d'être africains, et fiers d'implémenter les directives et les instructions de Sa Majesté pour qu'on puisse tous ensemble œuvrer pour une Afrique prospère. Ciao. Merci. Quelle belle façon de clôturer cette table ronde. Merci à tous. Ça ne clôture pas l'événement en soi qui vient de débuter. Donc, je vous invite à bien prendre connaissance du programme de la journée afin de vous reconnecter au moment opportun pour ce qui, j'en suis convaincu, seront des sessions particulièrement intéressantes. Je crois qu'est-ce que Monsieur le ministre du Gabon souhaite intervenir aussi? J'ai l'impression que vous êtes approché de la caméra. Non, c'est bon. Parfait. Désolé, je veux juste m'assurer de ne pas vous omettre, quoi qu'il en soit. Et je saisis cette opportunité pour remercier l'ensemble des participants intervenants ainsi que les organisateurs pour cette session de haute facture. Merci à tous et à tout à l'heure. Au revoir.